Dans cette vidéo, j'interviens sur la vitrine d'un réfrigéré. Donc c'est une vitrine négative, hein. À l'intérieur il y a un gros plongée. Donc le problème qu'il y a, c'est que l'évaporateur est pris en glace. Et la particularité de cette vitrine, c'est que le dégivrage se fait par gaz chaud. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fuites frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Là, on a une belle prise en glace dans cette vitrine négative. On voit que le pas des ailettes là, est complètement bouché par la glace. Donc la température était à moins 22 degrés au régulateur et par contre dans l'armoire il faisait plus de 10 degrés quoi. Donc la sonde doit être quelque part là, je sais pas où. Elle doit être dans la glace la sonde, tu vois ça là? Je me demande c'est pas. On va voir. Allez, on va dégivrer à l'eau chaude. Donc la meilleure méthode pour dégivrer. Donc là on le fait à l'eau chaude au pulvérisateur pour éviter d'en foutre partout. Donc là on tire pas de tuyau là. C'est un petit évaporateur celui-là. Avec de l'eau chaude ça part bien. Hein. Il y a du boulot là. Donc là c'est évaporateur, on a débranché les deux prises. On peut carrément le virer là, ici là. Nickel. Donc là on va pouvoir y aller un peu plus vite en prenant un saut. Et voilà. Donc la sonde doit être dans la. Je sais pas où elle est cette sonde. Je pense que la sonde doit être dans la tôle. La sonde de reprise. Car la température indiquait moins 22 tout à l'heure. Donc là pour remplir un bidon, un pulvérisateur ou un seau, donc là c'est la technique du siphon. Hein. On vire le siphon et hop, on remplit le seau comme ça. Donc ça c'est quand c'est possible. Donc ça c'est un truc électronique, car quand c'est pas possible, des fois quand c'est très très vieux, on peut pas les démonter les siphons. Donc là on est en train de dégivrer, qu'est-ce qui se passe là? Là on a foutu de la faute partout, pourquoi? Parce que là on est sur un truc qui est autonome, on n'est pas sur un truc de magasin. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dessous il y a un bac, dans ce bac il y a les tuyaux du reflon du compresseur qui évapore l'eau. Mais le problème c'est quand le bac est plein, qu'est-ce qui se passe? Il déborde. Donc là on est niqué. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut démonter la grille, prendre un aspirateur pour aspirer la flotte et vider le bac. Donc ça, il faut le savoir. Là, j'y ai pas percuté, moi. Là, quand j'ai vidé mon seau d'eau, je l'ai rempli d'un coup, le machin. Et ouais, parce que c'est le tuyau du compresseur refoulement que tu as toujours dans les bacs, c'est un tuyau qui serpente. Et bien, c'est ça qui fait évaporer l'eau. Là, c'est un aspirateur qui fait les deux à eau et poussière. Mais avant d'aspirer la merde, il faut enlever le filtre. T'enlèves le filtre et après tu peux aspirer l'eau. Là c'est un dégivrage par gaz chaud. Là on le voit, là c'est gelé, là c'est pas gelé. Là il y a la sonde de reprise. Donc il y a deux compresseurs. Tu vois le haut il est en train de se dégivrer, le bas non, donc on va voir. Voilà, on va attendre que le cycle se termine. Donc là on a plus de 10 degrés, on est toujours en dégivrage. On voit bien que la partie haute de l'évaporateur est pas givrée. Et la partie basse est encore givrée. Donc là il me faut le schéma pour savoir comment il est constitué cet évaporateur là. Donc là on a sorti le tiroir, il fallait le savoir. Donc là on avance là. Donc ça c'est l'électrovanne de dégivrage gaz chaud du compresseur numéro 2. Et là on voit que le tuyau là-bas il est pincé. Donc on monte à 60 degrés. Mais là ce qu'on voit là c'est que le débit doit pas passer là. Le débit ne doit pas passer au niveau du gâchot, c'est pour ça que tout à l'heure on avait le haut de l'évaporateur qui était bien dégivré, sur le bas mal dégivré. Parce que là c'est pas la même chose. Là ils l'ont peut-être pas fait là le pincement là. Là on voit que les bacs sont pas pleins. Là on voit qu'il y a une fuite là sur le tuyau des condenseurs là. Voilà. Donc là, lui, il est pris, là. Là, on va voir là où ça dégivre. Donc là, le compresseur numéro 1, on le voit, c'est nickel, c'est le haut. Là, il n'y a pas d'embrouille, ça fait de quelques minutes, ça dégivre super vite.
Alors, comme on a pu le voir, le problème de la prise en glace vient du fait que le dégivrage par gaz chaud sur une partie de l'évaporateur se fait mal. On a pu voir que c'est sur la partie basse de l'évaporateur qu'il y avait beaucoup de glace, alors que sur la partie haute, il y en avait beaucoup moins. Donc, après l'avoir dégivré à l'eau, j'ai fait des tests. Donc, j'ai pu constater que la partie haute dégivrait bien, mais pas la partie basse. Donc, après, pour voir un petit peu la tuyauterie au niveau du gaz chaud, donc il a fallu sortir le tiroir, comme on peut le voir sur la photo. Sur ce tiroir, il y a les deux groupes de condensation. Et sur le groupe de condensation de droite, on peut voir que au niveau de l'électrovanne des gaz chauds, on peut voir que au niveau du coude, le cuivre est pincé. Alors ce pincement, on doit laisser passer un petit peu les gaz chauds, mais doit probablement et même certainement limiter fortement le débit de gaz chaud qui passe dans l'évaporateur pendant le dégivrage. C'est pour ça qu'il reste gelé et c'est pour ça que la prise en glace se fait. Donc là, ce que l'on peut voir là, c'est que la tuyauterie est un peu étrange là. Ça va dans l'évaporateur et on voit qu'il y a une, deux, il y a trois coudes. On dirait qu'il y a une intervention sur cette machine là et que la personne a mis ça comme ça. Car en principe, sur ce type de groupe logé, donc les compresseurs, quoi, le compresseur, quoi, les groupes de condensation sont sur un tiroir, c'est-à-dire on dévisse ce tiroir et on le tire. Et comme le cuivre, c'est quelque chose qui est solide, souvent il y a une spire assez large pour qu'il y ait du jeu, parce que le tiroir, s'il faut le tirer de 30 cm ou 40 cm, et eh bien il faut aussi tirer la tuyauterie de 40 cm. Donc là, on voit que il y a des coudes et qu'il n'y a pas vraiment un effet spirale, un effet ressort. D'où le pincement, et le pincement a dû se produire lorsque la personne a remis le tiroir à sa place, c'est-à-dire lorsqu'il a poussé le tiroir pour le remettre en position initiale pour pouvoir remettre la grille devant les groupes de condensation. Donc pour pouvoir faire la réparation, il fallait une station de récupération et une bouteille de transfert, et il fallait aussi du cuivre. Donc c'est pas moi qui ai fait la réparation parce que je n'avais pas le matériel pour le faire, et c'est un collègue qui a fait cette réparation là en enlevant ces coudes là et en faisant une très grande spirale assez souple pour pouvoir enlever le tiroir et le remettre sans que le cuivre se plie. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager, et abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines sorties vidéo. À bientôt!